Bonjour. Nous travaillons actuellement sur le plan de circulation de la commune. Trois réunions publiques ont été programmées pour présenter les propositions du cabinet Artère sur l'organisation de la circulation et du stationnement dans notre commune. La première réunion a eu lieu le mois dernier et puis la prochaine réunion a lieu le 30 mai à 19h au Colombier. Nous travaillerons là, nous présenterons de manière plus précise, la proposition pour le plan de circulation pour le secteur nord-ouest. Et la troisième réunion publique aura lieu vers la fin juin. Vous avez les dates dans le journal de l'Éclair. Le plan de circulation, vous le savez, l'objectif c'est de fluidifier la circulation sur les départementales pour gagner un petit peu plus de temps sans augmenter la vitesse. Et de couper ou de diminuer les circulations dans les quartiers périphériques de la commune. Pour le stationnement, il y aura aussi des créations de places de stationnement assez nombreuses et qui permettront ensuite de travailler sur les différentes difficultés que l'on rencontre sur la commune. Je vous rappelle que l'objectif général, c'est d'avoir un plan global sur la commune pour ensuite pouvoir le détailler dans nos différents quartiers et d'arrêter un peu ce système qui consiste à essayer de régler tel ou tel point dans la commune sans avoir une vision générale. Donc nous aurons, avec ce plan de circulation, lorsque nous l'aurons arrêté, cette vision globale, ces lignes directrices pour l'ensemble de la commune et ensuite on pourra travailler dans le détail, mais de façon cohérente sur l'ensemble de la commune. Voilà l'objectif de cette mise en place du plan de circulation qui, pour l'instant, n'est pas arrêté. Il est en cours de discussion à travers les différentes réunions publiques. Concernant le désherbage, c'est un point difficile, mais vous commencez à connaître, et je suis sûr que vous discutez aussi avec d'autres habitants dans d'autres communes. Nous avons arrêté l'utilisation de produits chimiques, des produits phytosanitaires pour détruire les plantes invasives sur les différentes parties de la commune. L'objectif, c'est aussi un objectif de santé. Les produits chimiques sont des produits qui ont un impact sur notre santé au quotidien, avec des produits qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, qui font muter les gènes. Ces produits n'existent plus sur la commune, en tout cas ne sont plus utilisés par les services publics de la commune depuis l'année dernière, ce qui pose des difficultés particulières de gestion et des modes de fonctionnement qui désormais sont différents, et c'est vrai dans toutes les communes de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plantes poussent et qu'il faut soit les laisser pousser, soit faire un désherbage manuel. Le désherbage manuel est plus coûteux. Alors il y a des endroits dans la commune où on peut laisser pousser l'herbe. Évidemment, on n'a pas l'habitude de voir les choses ainsi, mais après tout, c'est la nature. Il y a d'autres endroits où il faut désherber, bien évidemment. Ce désherbage manuel passe par une augmentation des effectifs, c'est-à-dire que depuis le 1er mai de cette année, nous avons deux personnes qui, en plus de faire l'entretien de la commune, de vider les corbeilles communales, effectuent un désherbage manuel des trottoirs. Et donc, nous aurons sans doute à y revenir dans un article sur l'Éclair. Mais la participation des habitants est aussi utile. Je lisais le journal d'un village pas loin de chez nous où il est suggéré également aux habitants de participer en désherbant, pourquoi pas, devant chez soi. C'est-à-dire que, notamment dans nos zones pavillonnaires, sur les trottoirs, quand il y a deux, trois touffes d'herbe qui poussent, eh bien, si le riverain désherbe par lui-même, c'est un travail qui n'a pas à être effectué par la commune. Le principe, c'est qu'on monte en puissance et on travaille de manière plus régulière le centre-ville. Le centre-ville, c'est globalement la rue de la Guécharon, la rue des Remparts, la rue de la Charronnerie, on revient par la rue Poupinelle, la rue Charles de Gaulle,
jusqu'à la mairie. Voilà. Et ce sera vraiment le quartier central que l'on désherbe en priorité. Les autres quartiers sont faits, mais de façon moins fréquente. Le cimetière, lui, est fait toutes les semaines. Voilà pour le désherbage, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ces aspects-là. Enfin, je voulais vous signaler également la fête de la ville qui revient cette année sous une forme différente. Nous faisons un nouveau test avec un ensemble de jeux qui seront installés sur la place Jean-Moulin. Ça s'appelle le Saint-Arnoux-Land avec différents jeux pour les petits, pour les grands, avec une buvette organisée par l'amicale du personnel et puis d'autres manifestations, démonstrations qui auront lieu dans le centre-ville. C'est une manifestation qui rassemble les Arnolfiens, qui a tout simplement pour objectif de passer un moment convivial, une journée, et ça, ce sera le 12 juin. Vous avez les détails dans l'éclair du mois de mai, et vous aurez un rappel au mois de juin. Merci, à bientôt.